Bonjour, je suis Hélène Saulnier, je suis sage-femme près de Rennes et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui une séance d'hypnose, donc plus effectivement pour les mamans qui attendent un bébé. C'est une séance donc pour les mamans, mais aussi je vais inviter les papas à s'imaginer le bébé à l'intérieur du ventre de leur compagne. L'intérêt de cette séance, c'est effectivement de communiquer avec son bébé, de l'imaginer dans une petite bulle très agréable. Et puis, c'est aussi une séance pour les bébés, pour se sentir accueillis, écoutés, bercés, parce que ces petits bébés, là, ce sont des petites lumières qui vont arriver sur notre planète. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à entendre. De leur petite voix du fond du ventre de la maman. Alors, comme vous avez maintenant l'habitude de le faire, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans une pièce tranquille à la maison. Et puis, dans un premier temps, prendre des petits points de repère, comme vous savez le faire, mais aujourd'hui peut-être à la manière du regard émerveilleux du bébé. Vous savez, ce regard où le bébé va découvrir tout pour la première fois. Et là, aujourd'hui, c'est comme si vous découvriez cette pièce qui pourtant vous est familière, comme si c'était une première fois. Et je vais inviter les yeux à chercher, observer des couleurs rigolotes peut-être, des formes un peu curieuses, et puis peut-être aussi des images, des photos. Et puis, de la même manière, les oreilles vont pouvoir observer des sons. Peut-être des sons un peu tamisés, des sons un peu curieux, des sons tintinnabulants, ou peut-être ce bruit du silence très agréable. Et puis de la même manière, le corps va pouvoir s'installer et la partie de vous qui observe peut commencer déjà à observer les sensations du corps sur le fauteuil ou peut-être sur le canapé ou dans tout autre endroit où que vous soyez. Et puis peut-être observer déjà les sensations sous les pieds, peut-être les sensations de la terre, de l'énergie de la terre, comme des ondes qui peuvent remonter. Observer les sensations du contact du fauteuil qui vous accueille, et puis aussi comment le bassin peut se déposer, peut se reposer. Le dos va s'installer confortablement, et puis toutes les parties du corps. Et puis tranquillement, je vais vous inviter à prendre le temps d'observer aussi les sensations de l'air. Peut-être déjà cet air qui arrive avec des odeurs. Des odeurs que vous découvrez peut-être pour la première fois. Et puis tranquillement, peut-être les yeux vont pouvoir fixer une couleur qui leur plaît particulièrement, ou peut-être une forme. Et juste prendre le temps de fixer cette couleur. Et peut-être à un moment donné, peut-être maintenant, peut-être dans une minute ou deux, les paupières vont pouvoir se fermer à la manière des volets qu'on va fermer pour trouver du calme à l'intérieur. Voilà, exactement comme ça. Et puis maintenant, je vais vous inviter à prendre le temps d'observer l'air. Les petites bulles d'air qui arrivent du ciel et qui rentrent à l'intérieur. Peut-être elles sont toutes petites, peut-être elles sont plus grosses, peut-être elles sont colorées. Et juste observer les sensations de l'air qui arrive au niveau du thorax. Et observer comment ces petites bulles d'air prennent de la place. Juste la bonne place. Oui, la bonne place à l'intérieur de cet espace. Ni trop peu, ni trop. Juste bien. Et maintenant, observez ce moment où ces petites bulles d'air vont aller prendre le bon espace dans le ventre.
Et ces petites bulles d'air, elles ont plein de choses à faire à l'intérieur du ventre. Voilà, comme un massage pour l'utérus, et comme un bercement pour le bébé. Et c'est très, très agréable. Oui, d'observer comment ces petites bulles d'air vont remplir cet espace. Peut-être même jouer un peu avec le bébé. Et peut-être laisser une partie de vous qui sait tout. Cette partie, elle peut peut-être faire en sorte que les bulles d'air prennent la juste place. Peut-être en les augmentant, peut-être en changeant de forme pour ces bulles d'air. Peut-être en s'agglutinant un petit peu. Et cette partie de vous, c'est exactement ce qu'il faut faire pour que ce soit bon, bien et juste pour vous. Et aussi pour le bébé à l'intérieur. Oui, exactement comme ça. Très, très bien. Et puis maintenant que vous avez observé comment c'est bon, et bien, d'avoir les bonnes petites bulles d'air, exactement au bon endroit, au bon volume, je vais inviter l'une de vos mains. L'une de vos mains allait se poser sur le cœur du bébé. Ouais. Et puis l'autre main va aller pouvoir se poser sur votre cœur à vous. Voilà, exactement comme ça, tranquillement, doucement. Et laissez la partie de vous qui observe, observer le contact. Le contact de la main, du cœur du bébé. Observez peut-être que le contact est chaud ou frais, à une certaine température, la température idéale. Observez que sous cette main, peut-être aussi, le bébé réagit. Peut-être au contraire, s'apaise-t-il. Observez aussi que, voilà, peut-être, il y a un tissu tout douillet qui est entre le bébé et le vent et la main. Oui, et puis la main du haut, celle de votre cœur, qui se pousse doucement. Et d'observer les sensations sous la main, de chaleur, de palpitations, de mouvement. Très, très bien. Et ne rien faire d'autre que d'observer les sensations sous ces deux contacts différents. Et pourtant si proche. Et puis maintenant, je vais inviter une partie de votre esprit. Une partie de votre esprit qui sait tout, celle qui sait exactement qui vous êtes, qui est le bébé. Et cette partie, elle peut laisser venir un symbole ou une image pour ce lien. Ce lien de cœur à cœur. Peut-être c'est un cordon, comme le cordon ombilical. Peut-être d'une couleur particulière, d'une forme particulière, d'une épaisseur particulière. Peut-être c'est un faisceau de lumière, large ou fin. Peut-être c'est un tissu très doux. Peut-être comme de la soie, ou peut-être autre chose encore. C'est exactement ce qui est juste, ce qui se présente là, maintenant. Oui. D'observer comment ce lien se déploie
comment peut-être ils s'attachent, et peut-être comment ils enveloppent l'un et l'autre. Et je vais inviter votre cœur à laisser le bébé vous parler, à écouter ce que le bébé a à vous dire s'il pouvait parler. Il communique depuis qu'il est arrivé dans votre ventre. Et là, aujourd'hui, c'est un peu comme s'il pouvait laisser sortir quelques mots et vous dire, vous délivrer un message. Peut-être c'est sous forme d'une petite phrase de bébé. Peut-être c'est une sensation. Ou peut-être c'est une image qui peut venir. Ouais. Exactement comme ça. Peut-être c'est assez flou, ou peut-être c'est très précis. Et prendre le temps de laisser votre cœur écouter le cœur de votre bébé. Écoutez ce message précieux qu'il vous transmet de là où il est. Au chaud. Protégé. Avec son énergie incroyable de bébé. Et puis pour bien ancrer ce message, je vais inviter cette partie de vous qui sait trouver les solutions, et c'est venir un support. Un support pour peut-être dessiner l'image qui s'est présentée, peut-être pour écrire le mot ou la phrase du bébé. Ce support, ça peut être une ardoise avec une craie pour écrire, ou peut-être le sable avec le doigt qui va écrire ce message. Peut-être une feuille, peut-être c'est un dessin de couleur, peut-être c'est un tissu que vous allez broder, ou peut-être toute autre chose encore. Et tranquillement, je vais vous inviter à laisser la main dessiner ou écrire le message précieux du bébé. Ce qu'il a à vous dire. Prenez le temps. Puis quand vous avez fini d'écrire à la manière d'un mot qui nous touche profondément, qu'on reçoit, ou d'une lettre, je vais vous inviter à ranger, garder précieusement à l'intérieur de vous, peut-être dans un espace, peut-être dans l'espace du cœur ou ailleurs, ce message. Et c'est un message très utile pour la mère que vous êtes, pour la femme que vous êtes, et pour peut-être la petite fille ou le petit garçon que vous avez été. Et de ranger ce message pour pouvoir le réutiliser à tout moment, peut-être demain, peut-être dans les jours des semaines qui viennent, et dans les semaines des mois et les mois des années qui viennent, peut-être le jour de l'accouchement. Retrouver ce message important. Et peut-être chaque jour, le bébé va vous délivrer des messages. Grâce à ce lien d'amour entre son cœur et votre cœur. Magnifique. Et quand vous avez fait ça, je vais vous inviter à rebouger vos mains pour les mettre dans une position plus naturelle.
retrouver le contact du tissu du vêtement, retrouver le contact peut-être du tissu du fauteuil ou du canapé. Commencez peut-être à bouger les pieds, vous pouvez bouger vos jambes, les épaules, tranquillement, à votre rythme. Voilà. Retrouvez peut-être aussi le contact du sol, peut-être l'énergie de la terre. Retrouvez aussi en prenant une grande inspiration. Voilà, exactement comme ça, l'air du ciel, pour bien garder toutes ces énergies du ciel et de la terre à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez en profiter, vous, votre enfant. Et puis, retrouvez aussi les sons. Hein, vous pouvez entendre le bruit du silence, peut-être de nouveaux sons par rapport à tout à l'heure. Et vous pouvez, pour finir, regarder cet objet ou cette forme qui avait intéressé vos yeux tout à l'heure. Tranquillement. Vous étirez, vous savez, comme quand on se réveille le matin, voilà, et qu'on va s'étirer avant de sortir de dessous la couette. Voilà, bien remettre tout en mouvement. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, de profiter de toutes ces belles communications, toute cette énergie. Je vous remercie.